Lanceur Ariane 5 a quitté à la mi-journée le bâtiment d'assemblage final. Il est désormais positionné sur sa zone de lancement. La fusée a parcouru les 2,8 km en une heure de roulage grâce aux rails spécialement installés dans l'enceinte du centre spatial. À son sommet, deux satellites qui seront placés en orbite autour de la Terre demain soir, un appareil américain dont le maître d'œuvre est Boeing, Horizon 3E, pour les opérateurs SkyPerfect et Intelsat. Il participera à la fourniture de services haut débit de nouvelle génération dans la région Asie-Pacifique. Le lanceur lourd européen placera également sur orbite deux appareils associés en un même bloc. Il s'agit du deuxième satellite géostationnaire d'Azerbaïdjan, Azerspace 2, qui permettra de répondre à la demande croissante en services de télédiffusion directe. Il assurera aussi des services de télécommunication pour des besoins publics et privés en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique subsaharienne. Intelsat 38 accueille pour sa part plusieurs plateformes de télédiffusion directe couvrant les régions d'Europe centrale et orientale ainsi que la zone Asie-Pacifique. Il aura également pour mission de fournir du haut débit aux entreprises et à plusieurs États d'Afrique. Initialement, ce satellite devait être lancé avec un satellite indien, dont le placement en orbite a dû être annulé pour des raisons techniques, explique Arianespace. C'est finalement un ensemble de 4 satellites pour le dispositif Galileo qui avait été lancé le 25 juillet dernier. Le vol de demain va marquer une étape importante pour Ariane 5, puisqu'il s'agit du 100e décollage du lanceur en 22 ans de service. La mission durera 42 minutes.